continuer de rêver pour que les deux derniers matchs contre Milan et le Real ne se transforment pas en match amicaux, en match de gala. On a envie de voir un Auxerre taille européen ce soir qui va essayer de bousculer cette équipe de l'Ajax. Madame Daoui, Eric Suarez, Hugo, on peut faire très très mal à la Auxerre. Attention, avec 2 euros, c'est bien écarté. Et peut-être la frappe est belle. Et c'est au-dessus, signé Emmanuelson. Une défense de Luis Suarez. Centre de Boudka, c'est pas mal fait. Et avec le contrôle de la poitrine, la frappe enchaînée. Champion, il a 24 ans, il fait 1m62, c'est un tout petit gabarit et c'est déjà le héros de la soirée. Félicité par tous les joueurs. Suarez. Bonne ouverture, c'est au-dessus, il n'était pas signé hors jeu. Oh, quelle action! De seul, un débuteur du match aller. Ah, il y a eu une hésitation. Contour, l'arrivée de Samaritano. Ils sont deux. Et il fait la regardez le petit numéro de Roy Contour, le centre. Pour la tête de Kersia. Ouais, Vanderbilt maintenant. Suarez peut-être. Vanderbilt qui a bien fait contouriser. Car Suarez au départ est en position d'enjeu. Il n'était plus ensuite le petit numéro de Suarez. La frappe. Ça flirte avec le poteau droit. Ouais, attention. Hein. Toujours Pedretti pour le frapper. Pedretti se balance. Oh la tête, oh là, et la règle de Stéphane Bourg, c'est bien ça. Il coupe les trajectoires avec beaucoup de bonheur ce soir. Tout ça est très très bien mené, le centre maintenant, comme tout, déviation, Angevar, la volée d'Angevar, oh là, c'est carré. Et en deux temps, Stéphane Bourg. Dozo qui a repris, David, tout l'axe central. Ouais. Il s'est sorti de l'offensive pour justement... Oh, la déviation avec Suarez sur ce centre magnifique de Vanderbilt. Et à retomber les ballons, ce sont les joueurs de l'Ajax qui ont vraiment enclenché la vitesse supérieure. Luis Suarez, Allez, encore le pointu. Voilà. Avec ce nouveau centre, peut-être de Souleymani. Et le point, c'est pas terminé, la tête. Et le sauvetage sur la ligne de Dijstik, nouvelle frappe. Par Dijstik, monsieur Stéphane Dijstik. Quel exemple en défense, le ressort. L'égalisation. On va s'attarder pas. L'égalisation de l'Ajax d'Amsterdam, inscrit par le défenseur Alderweireld. Il y a eu un petit peu de relâchement. Ah, c'est dur, c'est cruel. C'est un peu plus de lucidité là, dans ces moments difficiles et terribles. Longil, Samaritano, va lui redonner. Steven Longil dans la surface. Steven Longil. Et la sortie de Stekelenburg. Stekelenburg vient de sauver sa formation. Et il faut y aller, Birsa toujours, Birsa encore. C'est à côté. Schaffner encore, on parlait de sa technique tout à l'heure, coup franc pour la chaussée. On regarde bien sûr, c'est rapide à jouer. Une leçon de courage, Kamel Schaffny a entré en cours de jeu pour Steven Longil. Lui aussi entré en cours de jeu. La dernière souffrance dans ce match héroïque des Auxerrois. Le corner qui est frappé, déviation reprise, le petit coup de billard dans la surface, le retire, il faut dégager Longil. Voilà qui est fait. Attention. Et l'arbitre qui va regarder sa montre. Les 3 minutes sont bientôt dépassées. Les 3 minutes sont dépassées. Le nouveau centre s'en rend. C'est fait. C'est gagné. Chapeau à la Auxerre. C'était la Coupe d'Europe à la campagne. Mais la campagne européenne continue. On a vécu l'une des plus belles soirées européennes ici à la Baie des Champs. Victoire pour l'espoir avec un courage exemplaire et une sacrée dose de talent. Auxerre 2, Ajax 1.